Votre ex vous a bloqué des réseaux sociaux et c'est la panique générale. Comment faire pour le ou la récupérer lorsque vous n'avez plus accès à son Facebook, à son Twitter, à son Instagram et à tous les autres réseaux sociaux que je ne connais même pas? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre love coach expert en reconquête sentimentale. Aujourd'hui, un sujet un peu plus léger que d'habitude, on va parler des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, tous ces réseaux sociaux vous permettent, enfin vous le pensez, de garder un lien avec votre ex. Mais sont-ils vraiment utiles pour notre reconquête? La réponse est oui. Les réseaux sociaux sont importants. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que votre ex vous a bloqué que cela va changer la situation. Aujourd'hui, lorsque vous tentez une reconquête, quel est votre objectif premier? Tout simplement celui de montrer votre changement. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, si vous voulez récupérer votre ex, il faut que vous soyez capable de lui montrer que si il ou elle revient, votre couple ne sera plus jamais le même. Alors, quoi de mieux que d'utiliser Facebook pour montrer des photos? Instagram aussi, il me semble que c'est pas mal pour les photos. Ah, d'ailleurs, Snapchat pour les jeunes, je ne l'ai pas cité, mais qui me revient fréquemment en coaching. Quel que soit le réseau social que vous allez utiliser, votre objectif est de montrer un changement. Alors, je ne vous demande pas de vous inventer une vie, ce n'est pas l'objectif, simplement d'embellir votre quotidien pour que votre ex se rende compte que vous ne restez pas cloîtré chez vous. Pour que votre ex se rende compte que vous avez également des sorties novatrices, que vous faites des nouvelles choses dans votre quotidien. À partir de cet instant, vous avez posé les bases de votre attitude à avoir sur Facebook, Twitter ou quelque réseau social que ce soit. En revanche, si nous revenons au thème de la vidéo initiale, lorsque votre ex vous bloque et que là, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, vous devez savoir que votre ex aura toujours, un jour ou l'autre, envie d'aller voir votre profil. Regardez vos propres envies à vous. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous connecter sur Facebook le soir pour regarder? Si, il en est de même pour votre ex. Même si il ou elle vous a bloqué, tôt ou tard, vous savez que si vous tenez la distance, ce fameux silence radio, alors vous allez forcément créer une réaction chez votre ex. Pas de panique, il ou elle vous a bloqué. On met ça de côté, on continue à entretenir les réseaux sociaux pour vendre du rêve, montrer votre changement, montrer ce qu'il y a de nouveau dans votre vie. Et à partir de cet instant, vous aurez posé les bonnes bases sur ces réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas expert des réseaux sociaux, mais ce que je peux vous dire, c'est que même si votre ex vous a bloqué, sur Facebook, n'hésitez pas à faire passer tous vos posts, ou alors limiter mais certains posts importants, de les mettre en format public. De cette manière, s'il se connecte d'un compte d'un ami, il pourra voir cette photo, voir ce post, et à partir de cet instant, vous aurez gagné. Donc, ne changez pas de stratégie, n'y allez pas non plus trop fort. Par exemple, si vous n'avez pas Facebook, que vous créez un Facebook et vous mettez 10 photos par jour, votre ex va sentir l'entourloupe. Alors, votre comportement, c'est de faire passer certains posts en public, de garder votre ligne conductrice et de miser également sur le moyen terme. Dans plusieurs semaines, vous pourrez tenter de nouvelles actions. C'était Alexandre Cormon, votre love coach expert en reconquête. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.